je ne prévois pas de toucher au dépôt. Je suis ravi de l'entendre. J'ai bien réfléchi. Oui, professeur. J'ai passé l'année à essayer de cacher notre voyage à tout le monde, y compris au professeur Weasley. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû lui en parler, leur en parler plutôt. J'aurais dû leur faire confiance. Les gardiens voulaient que ce secret soit enfermé pour toujours. Combien de temps le garderez-vous ? Les gardiens avaient raison. Utiliser cette magie est bien trop risqué. Elle doit être contenue à jamais. Je comprends. Et vous n'êtes pas seul. Je ferai tout mon possible pour vous aider. L'arrogance sans borne des sorciers. Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété. Assez, Ranrok. Il n'est pas à vous. J'avais bien envie de jouer avec ceci. La baguette de Myriam. Si elle leur avait juste donné le réceptacle, tout cela aurait pu être évité. Une sorcière trop fière et imprudente. Vous alliez si bien ensemble. Elle non plus n'a pas su s'avouer vaincue. Zéro.
Varda. Thank you.
Rapido. Réflexion. Incendie. Avada Kedavra. Antonoris. Zéro. Protego. Bombarda. C'est impossible. J'y vais.
Protego. Arrête au moment. Ne me prive pas jamais de ce pouvoir.
professeur. Myriam. Myriam, vous aurez adoré, mon enfant. Le monde des sorciers ne pourrait être entre de meilleures mains. Le professeur Eleazar Figg. Je présume qu'il était très apprécié de nombre d'entre vous. C'était un collègue de longue date pour ses pairs. Son goût pour l'aventure et sa soif de connaissances lui ont valu la réputation de foncer dans l'inconnu. Souvent au mépris du danger et sans aucun discernement. Ce qui a eu au moins le mérite de nous donner une leçon à tous. Sa grande passion pour l'aventure ne pouvait être égalée que par son dévouement envers Poudlard. Et envers sa femme, Marie, Myriam, qui nous a quittés trop tôt également. Oui. Le professeur Figg représentait le meilleur en chacun de nous. Oh, il avait un esprit tellement acéré. C'était un homme très brillant, qui aimait faire des découvertes, et il était d'une loyauté sans faille. Mais c'est sans doute grâce à son incroyable courage que son souvenir restera jamais gravé dans nos cœurs. Car sans le professeur Figg, eh bien, je crois pouvoir affirmer que sans cet homme, nombre d'entre nous, et cette école également, ne seraient plus là aujourd'hui. Ceux qui le connaissaient le mieux savent que nous devons maintenant l'honorer comme seul Poudlard peut le faire, en affrontant avec sagacité, bonté et courage toutes les épreuves qui nous attendent. Au professeur Figg. J'arrive pas à croire que nous avons perdu Figg. Je le connaissais pas aussi bien que toi, mais c'était un homme bien. Je suis content que Weasley ait rendu hommage à Figg. On se souviendra de lui, en bien. La même chose aurait dû être faite pour mon oncle. J'espère que Anne acceptera de me voir. Sébastien, je ne peux pas imaginer ce que toi et Anne traversaient. Peut-être que tu auras bientôt de ses nouvelles. Je l'espère, et je te le ferai savoir. Sébastien, il faut que tu saches quelque chose. C'est à propos de Victor Rockwood. J'ai entendu dire que vous vous étiez affronté près de chez Ollivander. Ça a été un sacré combat, apparemment. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas tout. Juste avant que Rockwood n'attaque, il a dit quelque chose. Les mêmes mots qu'Anne a entendus avant de recevoir un mauvais sort. Les enfants doivent être vus et non entendus. Attends, quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas un des fidèles de Ranrock qui a jeté un mauvais sort à Anne. C'était Rockwood. Tout est sa faute depuis le début. C'est impossible. Tout est de la faute des fidèles. La nuit où Anne a reçu ce mauvais sort, on n'a vu que des gobelins.
Quand Rockwood s'est allié à Ranrok, ils se sont tous les deux intéressés au domaine d'Isidora. C'est pour cette raison que Rockwood était là la nuit où Anne a été maudite. Il travaillait avec Ranrok. Quand il a vu ta sœur, eh bien, il ne voulait pas que quelqu'un le sache. Alors il lui a lancé un mauvais sort. Elle n'a plus jamais été la même. C'est si cruel. Rockwood n'a eu que ce qu'il méritait. Merci de me l'avoir dit. Ce n'était pas un gobelin. Je te dois des excuses. J'ai longtemps cru que les gobelins étaient nos ennemis. Mais ce n'était pas si simple. Au sujet de ce qu'il s'est passé dans les catacombes, je n'arrête pas d'y penser. On pourrait peut-être se voir bientôt. J'ai beaucoup à te dire.